Alors, la robe loup, c'est la même. D'ailleurs, j'ai utilisé le même patron. Je l'ai un petit peu modifié. C'est la même robe que Yurani, la robe Yurani. Sauf que, au lieu d'avoir la robe jusqu'en haut, les chasubles, on va avoir des bretelles un peu larges qui vont partir de là. Et là, je fais un petit nœud. Voilà, d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais préparer mon encolure devant et je vais préparer la pâte de boutonnage du dos. Donc, ici aussi, la doublure, elle est plus petite, exprès, pour ne pas avoir beaucoup d'épaisseur dans la pâte. Donc, voilà. Alors, les points d'arrêt, il faut toujours commencer et finir par un point d'arrêt pour consolider la couture. Voilà. Là, je fais ça. Et je le fais après, une fois que j'aurai préparé ma bretelle. Et là, je fais cette couture. Il y a plusieurs façons hein, d'assembler un vêtement. Donc, même chose pour le dos, deuxième, voilà, un point d'arrêt tout droit et vers la fin un point d'arrêt, je décale et je prépare la manchure. Je prépare mon devant. Alors, la coupe, j'ai marqué les milieux du devant pour qu'après, ça va être facile pour moi de les mettre bien ajustés. Là aussi, je prépare mes emmanchures d'abord. Après, je vais cranter le dos aussi, l'autre côté, et je prépare mes bretelles. Donc, alors, je mesure bien ici, là, de là, il ne faut pas que ça dépasse de là à là. C'est-à-dire, je garde là la couture ici, donc il faut que ma bretelle ne dépasse pas cette largeur. Je retourne ma bretelle.